personnes handicapées, leur maintien dans l'emploi, où qu'elles soient, est une des priorités du gouvernement. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ce message d'espoir avec des très beaux relais dans les médias, avec beaucoup de paroles des personnes en situation de handicap, parce que je pense que c'est ça le plus intéressant. Et donc avec des personnes qui nous disent des choses très fortes et qui me confortent, en tout cas dans notre politique publique, et on est sur le bon chemin. Donc voilà, on le fait. Cet échange, je voudrais qu'il soit vraiment un échange, hein, interactif pour pouvoir réagir et vous entendre. Donc, pas plus rapide, je vous passe la parole. Je ne sais pas à qui, peut-être à Cyril. Ben voilà, à Cyril Guesson. Monsieur le Président, à vous. Bonjour Madame la Ministre, merci de nous faire l'honneur d'être dans une visite digitale, virtuelle, mais réelle à la fois, car il y a des salariés de l'entreprise adaptée, il y a également beaucoup d'acteurs dont on va partager les situations, les besoins et toutes les solutions qu'on a trouvées. Et avant de laisser la parole à Fabrice Abadia, co-dirigeant et cofondateur de l'entreprise adaptée FMS, pour vous présenter brièvement la structure, je tenais à vous remercier, car j'en parlerai tout à l'heure, le plan de soutien et des mesures exceptionnelles des entreprises adaptées vont leur permettre d'entrevoir un avenir prometteur, non pas que pour les entreprises adaptées, mais aussi pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Fabrice? Bonjour Madame la Ministre, bonjour à tout le monde. Donc, pour vous présenter l'entreprise adaptée FMS, aujourd'hui, nous avons fêté nos 13 ans d'existence. Nous sommes 300 salariés depuis le début du mois. Nous sommes actuellement sur le site de Peyrorade où, durant la crise, nous avons souhaité nous mettre aux côtés des gens qui avaient besoin et nous avons mis en place un atelier de confection de masques. Donc, à ce jour, nous avons fabriqué 370 000 masques en Oh, quand partenariat, même. ouais, merci, en partenariat, en collaboration avec Résilience et maintenant, aujourd'hui, avec APF pour le masque inclusif. Nous ne souhaitons pas nous arrêter là, hein, puisque nous sommes aussi dans la R&D avec ce service confection textile que vous pouvez voir derrière moi. Et nous sommes sur l'élaboration du t-shirt Made in France avec Résilience, mais pas que, puisqu'on commence à avoir des contacts de personnes qui souhaitent le retour du Made in France sur le développement en interne. Donc je laisse la parole à Cyril pour les perspectives. Oui, merci Fabrice. Cyril, avant que vous démarriez, permettez-moi de saluer tous vos collaborateurs qui sont derrière vous. Voilà. Ah, vous avez Sylvia, vous avez plein de personnes qui vont se présenter tout à l'heure et qui vont vous expliquer leur parcours qui est assez admirable et exceptionnel. Je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise dans quelques minutes. Donc effectivement, Fabrice l'a dit, le 1er janvier 2020, nous étions 196 salariés. Et Fabrice vous l'a dit, aujourd'hui, on est 300. Donc, pendant cette période de crise, bien que nous soyons toujours en chômage partiel parce que notre plus grand et important client est Airbus, leader de l'aéronautique européenne, et que malheureusement, il a diminué ses volumes, et donc nous avons encore une quinzaine de personnes en chômage partiel. Et heureusement, le chômage partiel nous aide beaucoup à passer cette crise. Mais comme vous pouvez le constater ici, nous avons pu investir dans la confection textile, mais aussi sur d'autres pans entiers, et notamment avec la filière du surf, une filière industrielle qui est très présente localement dans nos zones côtières du sud des Landes, qui nous a permis de faire un grand projet de relocalisation d'activités logistiques industrielles, qu'on appelle le social onshore, c'est-à-dire la relocalisation d'activités industrielles, qui s'est accompagnée pendant la période création de 60 emplois, dont 50 CDD tremplin. Et tout ceci, on l'a réussi ben, grâce à la volonté de certains acteurs économiques du territoire, des élus, également nos partenaires emploi, comme Pôle emploi, comme Cap emploi, comme l'AGEFIPH, pour notamment les formations qu'il a fallu faire auprès de tous nos CDD tremplin, puisque les CDD tremplin, c'est un parcours. Un parcours où on identifie les publics avec Pôle emploi. On va les accompagner, les former, les mettre à l'emploi et puis accompagner la réalisation de leur projet professionnel dans notre structure entreprise adaptée ou dans une autre structure et notamment les filières du surf.
Et j'en profite, Madame la Ministre, pour vous présenter Monsieur Jean-Luc Rodriguez, président du cluster et de la filière des professionnels industriels du surf et de la glisse. Jean-Luc Rodriguez. Merci Cyril. Bonjour Madame la Ministre. Très heureux d'être face à vous. Alors, je dirige et je préside un cluster donc, qui s'appelle Eurocima. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 220 entreprises liées aux activités de l'action sport, nature et en particulier du surf. C'est 4 000 salariés en Nouvelle-Aquitaine pour un chiffre d'affaires approximatif de 1,8 milliard d'euros. Donc, la majorité des sièges européens de ces marques sont situés entre Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, on va dire. Et nous avons démarré un projet il y a quelques années avec FMS, donc avec Cyril et avec Fabrice, qui a permis ces créations de 60 emplois, dont 50 en CD tremplin. Et on travaille aujourd'hui sur d'autres possibilités, puisque en ayant cet exemple, d'autres marques de la filière sont intéressées. Pour plusieurs raisons. Première chose, parce que la réalité aujourd'hui des entreprises de s'identifier avec la possibilité d'avoir en interne des équipes qui vont travailler avec des personnes en situation de handicap, mais aussi et surtout parce que le monde de l'entreprise rattrape le tout, c'est que les résultats obtenus à travers ce que FMS a pu faire, c'est-à-dire des résultats réels d'entreprise, qualitatifs et quantitatifs, ont été exceptionnellement bons. Donc aujourd'hui, ils sont un exemple, y compris comparé avec des entreprises de type traditionnel, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça a donné de super résultats, ça se sait. Et de ce fait, aujourd'hui, on travaille déjà, on a rencontré avec Fabrice et Cyril, deux entreprises très importantes. Donc ce n'est pas signé, je ne peux pas en parler, mais en tout état de cause, on avance sur le process. Et l'idée, c'est de pérenniser cet exemple et de le développer pour créer davantage d'emplois. Si je comprends bien, si vous me permettez que je pose des questions, parce que d'abord, je suis tout assez curieuse d'esprit et j'aime bien comprendre. Quand vous dites ce sont des créations d'emplois, donc c'est pour des commandes que vos entreprises qui sont, donc, qui font partie de ce consortium, de ce cluster, comme vous le dites, même si le terme est un peu en ce moment… Cette filière, on peut dire, Madame la Ministre. Filière, très bien. De cette filière, à travers ces CDD tremplin, vous voyez un engagement possible après d'embauche des personnes qui sont en CDD tremplin. Comment vous projetez dans l'avenir avec cette création Absolument. De filière et donc de CDD tremplin? Absolument. On y voit la possibilité pour ces entreprises de venir chercher du savoir-faire chez FMS et donc d'employer ces salariés en interne et de développer d'autres activités en interne dans ces groupes-là. D'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, pour préciser, la filière des entreprises industrielles du surf et de la glisse a une bourse à CV et des postes à pourvoir dans lesquels on accompagne cette dynamique de parcours avec Pôle emploi, avec lequel Pôle emploi et l'entreprise adaptée des Landes FMS ont signé une offre de service, une expérimentation spéciale pour que justement on puisse renforcer l'accompagnement des accommodements des contextes, ce que j'appelle, entre nous, hein, tous ceux qui vont m'écouter vont prendre ça pour un néologisme, mais augmenter, accroître la capacité inclusive des entreprises. C'est-à-dire que FMS va mettre tout son savoir-faire en matière d'accompagnement social, en matière de transformation des contextes de travail pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Et nous avons déjà des réussites avec Pôle emploi, dont je remercie la présence d'Isabelle Julien à nos côtés, directrice de Pôle emploi des Landes et notre directrice des ressources humaines, Georgia Gallet. Alors, je comprenne bien, Cyril, c'est oui. Que vous avez en même temps de l'embauche en CDD tremplin, mais en même temps, vous faites du job coaching dans les entreprises, quoi, pour, en emploi direct, directement dans les entreprises, si je peux le résumer, hein, en job coaching. Oui. Voilà, c'est ça. Vous le résumez très bien. Alors, nous on fait, c'est vrai qu'on accompagne la personne, mais on va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que le savoir que l'on apporte dans l'entreprise, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'on arrive à moduler, si vous voulez, les contextes de travail. On va former, on va accompagner, par exemple, des évolutions du système d'information de l'entreprise pour que les salariés puissent accéder aux informations plus simplement, par exemple. Ça va être aussi de la formation. Et on va pouvoir utiliser, vous l'avez dit, le CD tremplin, mais il y a aussi les mises à disposition.
Il y a aussi aujourd'hui, avec l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire, on va pouvoir utiliser l'intérim aussi. Et donc, on est en train de mettre en place toutes les briques. Et la dernière brique que l'on va créer avec Recyclea, qui va être l'autre entreprise adaptée que vous allez visiter digitalement dans quelques minutes, le CFA d'entreprise adaptée. C'est-à-dire que Recyclea et FMS vont mettre en œuvre un CFA ensemble dans le numérique pour accompagner les apprentis pour les entreprises adaptées et aussi pour les entreprises partenaires, comme Terrega, par exemple. Puis-je demander à votre voisin de gauche comment il explique en fait que, parce que vous avez dit une phrase qui m'interpelle et qui m'intrigue, c'est que vous aviez même une offre de meilleure qualité que chez certains autres fournisseurs. Est-ce que vous expliquez par le fait qu'il y a un accompagnement extrêmement précis pour faire monter en qualification les personnes qui bossent ou, enfin, comment vous l'expliquez ? Je l'explique de deux manières, Madame la Ministre. J'explique en premier lieu, c'est que les personnes en situation de handicap qui travaillent chez FMS, à chaque fois que je visite FMS, je les sens valorisées à travers leur travail. C'est-à-dire qu'elles ont la fierté et la motivation extrême que l'on ne retrouve pas partout, pour être tout à fait transparent. Et donc, de ce fait, ça donne d'extrêmement bons résultats. Quand je vous parlais de résultats qualitatifs et quantitatifs, ça signifiait ça. Et que donc, ils arrivent à faire des réalité d'achèvement de résultats aussi bon ou supérieur aux grandes sociétés que l'on connaît dans ce monde de la logistique. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, l'accompagnement, la manière dont FMS a construit ses équipes et la réalité de proximité des différents cadres à travers ce qu'ils font, je pense mettre les personnes, alors je ne suis pas dans l'entreprise au quotidien, mais je les connais assez bien, dans une situation à vouloir être encore meilleur dans ce qu'ils réalisent. Donc voilà comment je peux me l'expliquer. Ça conforte ce que le président de Nestlé nous a dit ce matin, puisque nous avons signé justement, les deux présidents de Nestlé et de Navals Group ont rejoint le manifeste inclusion. Et la politique RH du président de Nestlé, il a eu une phrase très forte en fait. Ce qu'il veut, c'est tout simplement pouvoir être soi-même pour donner le meilleur de soi, à travers justement l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Oui. Donc, C'est exactement ça, hein, c'est-à-dire créer cette ambiance de travail et ces adaptations nécessaires et suffisantes pour que tout simplement les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et les personnes en situation de handicap, je pense, ont un capital en elles colossal, ne serait-ce que par leur histoire personnelle à chaque fois. Donc, Exactement, c'est l'accompagnement au développement du processus d'individuation des individus, c'est tout à fait ça. Et je soulignais tout à l'heure, je faisais des petits gestes amicaux parce que quand on entend le représentant de la majorité de nos clients dire ce qu'il vient de dire devant les salariés, ça m'émeut. Moi, ça m'émeut pour eux parce que c'est eux qui sont confrontés à créer la richesse, ce n'est pas moi. Hein, voilà, moi, je suis un animateur quelque part. Donc, ça m'émeut, voilà, sachez-le. Surtout qu'on se connaît depuis 2008 avec Cizia. Bon, très bien. Moi, je peux vous dire aussi, excusez-moi, mais… non seulement ça m'émeut, mais ça me conforte énormément dans la politique publique qu'on est en train de bâtir. Et je pense que j'ai besoin de ces témoignages pour aller de l'avant. Et j'ai besoin des témoignages de chefs d'entreprise, comme vous êtes tous, pour dire que c'est exactement comme ça qu'il faut qu'on y aille. Donc, et vos témoignages sont très importants. En tout cas, merci, c'est intéressant ce que vous venez de dire. En tout cas. Merci. Isabelle ? Alors, Madame la Ministre, bonjour. Donc, au titre de Pôle emploi, il m'apparaît important de témoigner par rapport à la notion de partenariat qui s'est développée depuis plusieurs années dans les Landes avec cette entreprise adaptée FMS. Juste à titre d'exemple, sur les 12 derniers mois, entre l'agence de Pôle emploi qui suit cette entreprise et FMS, ce sont plus de 500 contacts qui se sont établis. C'est dire la qualité des relations qui existent. Sur une année, nous avons recruté pour 121 postes. Il y a eu 121 embauches et 121 de ces embauches concernent pour 52% des personnes en situation de handicap. FMS est une entreprise qui pour nous est moteur et promoteur de ce que l'on peut faire avec des compétences justement révélées au travers de l'entreprise adaptée. Et aujourd'hui, quand Cyril nous a proposé de travailler avec lui sur la mise en place des CDD tremplins, de faire partie des premières structures à accompagner, on avait cette fierté de voir comment mettre en place des parcours qui justement valorisent ces compétences acquises, justement valorisent ces savoir-faire et savoir-être qui sont extrêmement importants. Et donc, en cela, on a travaillé avec l'équipe locale et la DRH de FMS sur un parcours que l'on va vous décrire en quelques mots.
Donc, et effectivement, hein, toute cette réussite, ces emplois créés ne pourraient pas l'être sans notre partenaire privilégié qui est Pôle emploi aujourd'hui, hein, parce qu'on a effectivement besoin de trouver des candidats. On est sur un territoire des Landes, hein, qui est un territoire qui est rural, hein, et donc on a absolument besoin d'avoir ce partenaire pour trouver aussi ces candidats. Alors là, dans le cadre effectivement du suivi des CDD tremplin, on a mis en place une commission avec Pôle emploi. Donc Pôle emploi effectivement nous propose des profils qu'ils ont identifiés. Et donc ensemble, on va évaluer ceux qui vont pouvoir se révéler au sein de l'entreprise adaptée FMS. Donc ensuite, ces personnes vont être recrutées donc, au sein de FMS. Et ensemble, donc, on va construire un parcours de formation à la fois au sein de l'entreprise adaptée, mais aussi donc en externe en fonction du projet professionnel de la personne. Et donc tout ça en lien avec Pôle emploi qui va tout au long donc, du parcours au sein de FMS suivre également le candidat. Il est important d'illustrer par le fait que nous allons mobiliser dans chaque agence Pôle emploi, nous avons des psychologues du travail. Il va être la clé d'entrée de ce parcours pour pouvoir accompagner la personne dans son projet professionnel, montrer que l'entrée dans une entreprise adaptée est un début de parcours et surtout mettre rapidement en contact avec des entreprises. Il y a l'idée de monter un club RH inclusif et j'insiste sur cette notion d'inclusif, c'est-à-dire que des employeurs, des entrepreneurs qui sont prêts justement à se lancer dans cette démarche pour que dès l'entrée dans l'entreprise adaptée, on puisse mettre en contact avec les projets locaux de recrutement. Et ça, c'est important pour nous aussi, c'est-à-dire la réplicabilité de ce modèle. On a la chance, encore une fois, d'avoir FMS avec nous. Nous avons d'autres entreprises adaptées sur les Landes. Et l'idée, c'est que ce que nous allons expérimenter puisse rapidement se développer vers d'autres structures adaptées. Et pour ça, on va aussi travailler avec nos partenaires, et vous savez, comme nos partenaires les plus proches, Cap Emploi, sur justement accompagner dans le parcours de formation pour pouvoir mobiliser toutes les aides adaptées et utiles à chacune de ces personnes. Alors, c'est vrai que la clé… Ce que vous faites là pour trouver justement les profils qui correspondent justement au métier proposé par l'entreprise adaptée, en fait, c'est le service plus qu'on aimerait pouvoir développer, et j'en discutais avec Jean Basser, dans tous les pôles emploi, pour toutes les entreprises, qu'elles soient adaptées ou pas, c'est-à-dire pouvoir faire, comme vous le dites très justement, des sélections, aller chercher les CV qui présentent une RQTH pour les proposer aux entreprises. Moi, j'entends toute la journée des chefs d'entreprise qui me disent « on a un problème de sourcing ». Ouais. Je ne peux plus entendre ça. Avec 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, on ne peut plus entendre ça aujourd'hui. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ce travail partenarial avec l'entreprise adaptée et Pôle emploi, eh bien, en fait, il suffit que peut-être chaque fois qu'une entreprise a une RH inclusive, comme vous le dites, qu'elle soit adaptée ou pas, hein, une RH inclusive, c'est ça. Le travail de Pôle emploi, c'est de faire du screening vraiment de CV pour proposer aux chefs d'entreprise des CV, des compétences avec des personnes en situation de handicap. On ne va pas se le cacher, on est entre nous. Vous faites de la discrimination positive. Et moi, ça me va très bien. Mais il faut le faire. Donc, sous la forme de quelque chose qui peut s'appeler service plus, ce que vous voulez, ou une convention de collaboration entre Pôle emploi. Mais on a besoin de ça, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus entendre de me dire, déjà d'entreprise qui me dit, je ne trouve pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et on va en parler avec Jean Basser demain après-midi, avec Elisabeth Borne, puisqu'on sera sur le rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, qualification des conseillers qui devient gradué, hein, grâce à ce rapprochement, et ce service plus qui fait matcher vraiment des compétences en situation de handicap avec des demandes fortes d'entreprises, qu'elles soient adaptées ou pas. Donc vraiment, il faut qu'on s'inspire de ce que vous avez fait là pour le déployer, hein, et les semer. Je compte sur vous, madame de Pôle emploi, pour aller à tous vos collègues pour leur dire que c'est possible. Hein. Non, madame la ministre, je m'y engage. Et on a réussi à faire quand même 100 emplois sur la période, hein, madame la ministre. Oui, bien sûr. Dans une zone rurale. Hein. Voilà, vous avez les compétences. Donc, merci, madame la ministre. Je voudrais vous présenter désormais, madame la ministre, et justement, Sylvia Diaz. Prescrivi, pardon. Je la connais depuis 2008. Oh là là là. Ça m'émeut. C'est vrai.
Donc, Sylvia, ma chère Sylvia. Oui. Sylvia, elle a été embauchée en 2008. C'est la première salariée, la numéro 1, et qui faisait de la logistique. C'est la première. Situation de handicap difficile qui a été, d'ailleurs, il y a 2-3 ans, absente malheureusement hein, pendant presque 2 ans. C'est ça. C'est ça, voilà. Bon, ça, c'est les aléas contextuels aux situations de handicap. Elle est revenue très forte avec un projet professionnel personnel qui était, il y a un an, sur la confection textile. Et on n'était pas encore en 2020. Eh bien, Sylvia va peut-être nous raconter un petit peu son parcours, ma chère Sylvia. Merci Cyril et bonjour Madame la Ministre. Je suis contente d'être avec vous et mes collègues ce soir. Oui, donc j'étais la première salariée FMS. Après 20 ans de CDD, j'ai enfin eu l'opportunité d'être prise en CDI. J'ai travaillé en logistique avec M. Abadia et M. Guesso au tout début. Et il n'y a pas longtemps, j'ai voulu faire une formation en couture. Donc je suis partie à la Chambre des métiers de Bayonne pour partir faire mon CAP couture flou. Et quand le confinement est arrivé, le premier, et que Cyril et Fabrice ont dit qu'ils voulaient absolument être dans l'aventure et à être solidaires, à aider les gens à avoir des masques, j'ai tout de suite téléphoné pour dire que ça m'intéressait. Et c'était à Pérorade, donc encore plus loin de mon lieu d'habitation. Et Cyril m'a dit... c'est OK. Donc, voilà, je suis venue, on a travaillé à Tiros, après on est venue ici. Ouais. Et tu es chef d'équipe et instructeur. Aujourd'hui, elle est passée chef d'équipe. Elle encadre et notamment Francise qui nous accompagne en CDD tremplin. Et c'est magnifique hein, de voir ces évolutions. Tout est possible, tout est rendu possible. Hein. C'est bien. Tout est possible, c'est ça le message qu'il faut qu'on porte. Ouais. Nul n'est inemployable. Et tout est possible. Il faut qu'on pousse vraiment ces slogans parce que ce n'est pas des slogans, c'est des réalités de vie derrière. Non, exactement. C'est des réalités, c'est des parcours de vie, voilà, de rencontres, hein, de création. Et c'est magnifique. Hein. Moi, je vais finir par pleurer si ça continue. Je suis tellement fatigué. Bon, vas-y, Francis, présente-toi, je t'en prie. Bonjour, je suis Francis Vélan. Je suis salariée depuis le mois de mai chez FMS. Je cherchais du travail depuis 2 ans. Donc, j'ai été contactée par Pôle emploi pour venir dans la couture. Je ne parle pas bien, excusez-moi. Je suis un peu stressée. Non, ça va, ne t'inquiète pas. Tu sais, et Madame Cluzel, elle est très voilà, gentille, Madame Cluzel, il n'y a pas de souci. Oui. J'ai dû quitter mon parcours de la couture parce que je me suis fait opérer d'une occlusion intestinale. Donc, je suis reconnue comme travailleur handicapé depuis 6 ans. Et j'ai essayé de faire une reconversion, mais ce n'était pas adapté à mon handicap. Que j'ai eu le contact par Pôle emploi des Landes pour retourner dans la couture, mais j'étais pas très sûre parce que j'ai travaillé dans des entreprises classiques, on va dire ça comme ça, qui avaient un rythme assez soutenu et j'avais un peu peur, mais j'ai tenté le coup et finalement c'était très bien parce qu'ils ont su s'adapter à mon handicap. Enfin, je ne sais pas si on dit oui, ça comme oui, ça. Oui. Si, très bien. Oui. Ah, très bien, c'est bon. Quelqu'un enregistre. Tu peux varier. Oui, je peux varier mon activité en fonction de mes petits soucis de santé. Et j'ai commencé par des masques et maintenant je suis dans la confection. Et tu as repris confiance en toi. J'ai repris confiance en moi. Et aujourd'hui, elle va de l'avant, elle travaille avec Sylvia, ça échange, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça qui est joli. Qu'est-ce que vous aviez besoin ? En fait, de quelles adaptations vous avez eu besoin qui ont fait que justement, ce qui vous paraissait compliqué à vous pour reprendre une activité a été facile ? Concrètement, un chef d'entreprise qui n'aurait pas une entreprise adaptée, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire qu'ils mettent en place comme adaptation ? Pour vous permettre de reprendre pied et de remonter la pente. Déjà, nous redonner confiance en nous, parce qu'on perd confiance quand on a un handicap. Et les positions assises et debout, pouvoir changer un peu d'activité, si c'est possible. Et les assises, pour ma part. Ouais. Écouter les besoins, ces besoins. Et essayer de trouver des solutions pour les mettre en place.
parce qu'après, tu crées tes propres situations et tu arrives à avoir un niveau de productivité de plus en plus fort tout en étant autonome. C'est ce que M. Charles Gardou, anthropologue, appelle les accommodements, c'est-à-dire des modalités de suppléance, pour le dire comme ça, mais qui permettent justement aux salariés d'être pleinement autonomes petit à petit. Tout à fait. Et ça, Cyril, vous pouvez, si par exemple Madame avait un projet de passer dans une entreprise dite classique, vous pourriez accompagner le chef d'entreprise futur pour justement lui apprendre les besoins de Madame et la mettre en situation optimale, parce que c'est ça dont on a besoin. Exactement. Quand je parle de job coaching, c'est le job coaching, c'est autant enfin l'emploi accompagné tel qu'on le pense en job coaching, dispositif d'emploi accompagné, c'est ça, hein, c'est accompagner la personne. Là, ça y est, madame s'est reconstruite, s'est redonnée confiance en elle. Mais maintenant, il va falloir qu'on aille accompagner les entreprises pour qu'elles comprennent bien et qu'elles nous retrouvent et qu'elles puissent retrouver aussi partout un environnement. Quand on parle d'entreprise inclusive, c'est ça. C'est des entreprises qui sont à l'écoute de leurs collaborateurs et qui mettent en place justement ces petits plans inclinés partout, comme dit Charles Gardou aussi, ces petits plans inclinés, ces petits ajustements indispensables pour que la personne soit de façon optimale, bienveillant surtout, et un environnement de travail où on peut évoluer selon ses besoins. C'est exactement ça, la synthèse, c'est qu'avec Pôle emploi, on crée une offre de service où on va accompagner les tremplins, Francis par exemple, si elle a un projet dans une autre entreprise, pour accompagner l'autre entreprise à bien mettre en œuvre justement ce que j'appelais au tout début, hein, ce fameux contexte. Pôle emploi va nous y accompagner. Ils feront la partie qui est liée à la psychologie, par exemple, ou aux formations. Nous, on va être dans des choses très pragmatiques, très, très sérieuses, et on va accompagner. Et ensuite, nous allons sécuriser, justement, Francis, en lui disant, ben, voilà, c'est ton projet professionnel. Si ça ne marche pas, ben, tu reviens dans l'entreprise adaptée. Ben, si ça marche, on va continuer, on va t'accompagner et on ne te laissera jamais au bord du chemin, on sera toujours là. Et c'est ça qui est important, c'est cette prise de confiance qui peut y avoir dans la sécurisation du parcours quand on est tous ensemble de manière cohérente. Super, merci. Donc, Madame la Ministre, on va passer dans la visite digitale d'une autre entreprise qui se trouve à Montluçon. Et comme par magie, je fais un coup de baguette magique comme Harry Potter, on passe à Montluçon. Voilà, on est à Montluçon. On est à côté de Montluçon parce que j'étais obligé de m'arrêter, j'étais sur la route, j'ai été retenu. Voilà. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à toutes et à tous. Donc je ne suis pas au sein de l'entreprise, mais on y retrouvera Baptiste, un de nos CDD tremplins. Donc je suis le dirigeant de l'entreprise adaptée Recycléa située à Montluçon. Recycléa existe depuis 2011, on y développe une activité à la base de réemploi de parcs informatiques, donc une activité environnementalement parlant avec un impact positif, puisqu'on réduit la fraction de déchets en reconditionnant du matériel informatique. Donc, et en plus, un métier, on va dire, assez technologique. Voilà. C'est notre métier socle qu'on a développé depuis 10 ans. On a démarré en 2011, on était 15 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 115 collaborateurs sur Recycléa. Et on a été la première entreprise adaptée à signer un CDD tremplin, juste devant la PF et ARES, hein, le jour où on a signé au ministère du Travail. Je suis passé devant eux, hein, je leur ai passé la priorité. Et grâce à ça, le gouvernement nous a permis aujourd'hui de développer, parce que l'expérimentation, on l'a expérimenté sur un nouveau, sur une nouvelle activité, qui est le support digital. On a démarré ça il y a 2 ans, hein, puisque c'était en octobre, et notre premier CDD tremplin est arrivé en novembre. Et aujourd'hui, sur cette activité-là, on a 40 collaborateurs, dont 26 CDD tremplins, et on a un gros projet de croissance. Et pour cela, on a mobilisé énormément de partenaires, alors Pôle emploi aussi, notre OPCO, qui est Acto, qui nous a aidé à financer des formations dont on a piloté l'ingénierie pour avoir des formations vraiment adaptées alors, aux personnes en situation de handicap et à nos métiers aussi du support digital. Donc aujourd'hui, on a lancé notre première promotion de 16 apprenants qui est sortie. Alors en plus, avec le contexte sanitaire, on n'a pas baissé les bras, au contraire, puisque la première promotion dont faisait partie Baptiste, qui est avec nous, a démarré le 30 juin. Elle a été décalée un peu puisqu'il fallait, on va dire, c'était difficile lors du premier confinement de pouvoir démarrer des choses.
Et puis là, on a notre deuxième promotion qui est en cours avec un autre exploit, c'est de digitaliser complètement la formation depuis le confinement pour que les personnes soient en toute sécurité, parce qu'à 16 dans une salle, ce n'était pas possible. Donc voilà. Donc une activité qui prend de l'ampleur et qui devrait créer plus de 200 emplois sur le bassin de Montluçon. Le bassin de Montluçon, c'est un bassin sinistré avec 12% de chômage, ancien bassin industriel, où on a peu de compétences. On se rend compte que les personnes en situation de handicap et en situation qui sont tenues à l'écart de l'emploi ont des niveaux de formation initiale très faibles. Et donc, du coup, on s'est dit, plutôt que d'aller chercher de la compétence, on va aller chercher de l'appétence. Et donc, on a pris des gens comme Baptiste, qui venaient d'univers complètement différent, qui, au niveau du digital, savait se servir d'un smartphone et un peu d'un ordinateur, mais sans plus. Et aujourd'hui, ces gens opèrent du support à l'utilisateur. C'est-à-dire que quand des gens... Alors en plus, on a des clients importants, puisque dans le public, on traite la mairie de Paris, on va traiter le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Et en fait, quand ces utilisateurs sont en panne ou ont un problème avec leur logiciel, ils appellent nos collaborateurs en situation de handicap qui viennent leur porter secours. Donc voilà, c'est plutôt... Et ça, on a réussi à le faire grâce à la réforme. Et je tenais à vous en remercier, parce que forcément, vous êtes une des actrices fortes de cette réforme. Alors, que je comprenne bien, monsieur, parce que ça a l'air vraiment intéressant, parce que c'est un domaine qui embauche, c'est forcément un domaine qui est porteur, le digital, le numérique. Est-ce que c'est une formation qualifiante que vous leur donnez, qui leur permettra de rebondir? Comment vous en êtes où dans ce process de formation? Alors, dans la formation, elle n'est pas qualifiante parce qu'on n'est pas encore... Ça, Cyril vous en reparlera après. On a un gros projet avec nos amis landais, comme quoi on arrive à s'entendre avec les gens du Sud, et de créer un CFA donc pour rendre les choses qualifiantes. Mais aujourd'hui, déjà, cette formation, à la fin, ils ont tous passé une certification qui s'appelle ITIL, qui est une formation technologie library. En fait, c'est très important dans le monde de l'informatique. En plus, ils suivent un programme Voltaire au niveau du renforcement du français, et on leur fait passer le TOEIC pour avoir validé un niveau d'anglais. Donc à la suite de ça, ils ont quand même au moins 3 points qui leur permettent de se situer et d'amener des choses concrètes sur un CV, si ce n'est un diplôme. Super. J'aime beaucoup de votre formule de dire, plutôt que d'aller chercher des compétences, je suis allée chercher des appétences. Je pense que c'est un très beau message pour aller justement travailler sur le bassin local, surtout dans des régions qui sont avec des chiffres de chômage assez importants. Je pense que vous avez une démarche qualité, je dirais, extrêmement intéressante. Bravo. Et juste pour compléter, pour renforcer la fin de sortie du CDD tremplin, parce que je vous ai écouté parler avec Cyril et lui demander comment travailler avec les entreprises. Donc, on a créé, mutualisé, avec des SIAE pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'autres entreprises adaptées, expérimentatrices sur notre territoire. On vient de lancer en septembre une chargée de relations entreprises, donc mutualisée entre 7 structures, dont le rôle est de faire du lobbying auprès des entreprises dites classiques, des syndicats d'employeurs, du MEDEF local, de la CPME locale, des divers clubs RH, des réseaux type CJD, pour leur dire qu'on avait, après avoir eu des appétences, on a transféré des compétences à des salariés, et donc on a des gens prêts à l'emploi, et qu'en plus on peut les accompagner pour mobiliser des aides de la GFIP, et que si c'est possible chez nous, ça doit l'être chez eux, avec un peu de bienveillance. Bon, vous allez me faire une vidéo pour m'expliquer tout ça, très courte, en 1 minute et 2 minutes, et puis il faut qu'on la mette sur les réseaux. Parce qu'il faut qu'on puisse vraiment démultiplier votre expérimentation. Il faut que, sincèrement, vraiment, c'est vous le chef d'entreprise, c'est vous qui portez un message. Si c'est moi qui le dis, c'est pas pareil. C'est vous, c'est Cyril. Il faut me faire des vidéos de chefs d'entreprise qui expliquent comment ils ont fait, quel est le levier qu'ils ont utilisé, avec des phrases très fortes, comme vous l'avez dit, et qu'on puisse après envoyer dans tous les clubs qu'on a, les entreprises qui ont signé le manifeste inclusion, qui me disent encore, on ne sait pas bien comment faire, etc. Moi, je leur dis, mettez-vous en réseau avec les entreprises adaptées. Les entreprises adaptées autour de votre bassin d'emploi, elles sont en train de vous former des salariés à vos besoins. Donc, il faut absolument qu'on puisse expliciter votre démarche de la part d'un chef d'entreprise.
Moi, je vous passe une commande, Cyril, Sébastien Citerne, que l'UNEA puisse nous faire des petites capsules de chefs d'entreprise, des vidéos d'une minute et demie, en disant voilà à quoi sert un CDD tremplin, voilà comment nous qualifions des personnes en devenir justement de salariés dans vos entreprises, sur telle filière, telle filière, telle filière. Et après, on la généralise et on la diffuse justement dans tous les réseaux, comme vous voulez dire. J'ai fait une grosse webinaire avec l'ensemble du MEDEF et des MEDEF régionaux. Et voilà, ça, c'est un message qu'on peut faire passer très facilement. Nous, l'État, il faut qu'on soit votre caisse de résonance. Il faut qu'on puisse ouvrir les réseaux partout et qu'on fasse de l'inter-réseau. En tout cas, c'est vraiment votre expérimentation. Et puis, quand vous travaillez tous les domaines, Voltaire, TOEIC, enfin, vous êtes en train d'armer vraiment ces personnes à rebondir. C'est vrai qu'on avait prévu l'inclusive tour pour vraiment pouvoir communiquer auprès des réseaux. Malheureusement, la crise sanitaire, on a décidé autrement, mais on sait être inventif et s'il faut faire des vidéos, on y arrivera. Je sais que votre temps est compté, que le nôtre aussi. Je me permets d'introduire Baptiste, qui doit être aussi sur le webinaire et qui est un des premiers apprenants de cette promotion, parce que nous, on a fait le choix de les former avant d'arriver sur le contexte de travail. C'est peut-être notre côté auvergnat, on voulait qu'ils produisent tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on a quand même des notions d'économie. Donc, je vais laisser la parole à Baptiste, qui va pouvoir, Madame la Ministre, vous expliquer un peu son histoire, tout simplement, et comment il est arrivé chez Recycler. Bonsoir à tous, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Donc oui, moi effectivement, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là. En fait, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. Et suite à des problèmes de santé, à un accident de travail, je me suis retrouvé inapte au travail, en fait, et licencié, du coup. Donc oui, ça m'a fait peur de pouvoir retrouver du travail avec le handicap que j'ai. Et grâce à M. Sébastien Reynaud et à Recycléa, ils m'ont proposé, et Pôle emploi aussi, ils m'ont proposé cette formation que j'ai intégrée fin juin. Et voilà, aujourd'hui, je fais partie de l'entreprise Recycléa pour un CDD de 12 mois, CDD de tremplin de 12 mois. Donc, je suis content et je suis épanoui aujourd'hui professionnellement et personnellement aussi. Voilà. Et vous habitez loin de Recycléa ou vous étiez dans ce secteur Je suis dans le secteur, mais je suis sur mon Luçon aussi. Voilà. C'est la réponse de proximité aussi. Voilà. Ah oui, on a un très fort ancrage territorial. Baptiste, tu peux nous expliquer, alors la formation durait 57 jours, 400 heures, sur quel contexte tu opères aujourd'hui et quel est ton métier ? Alors, on opère, on est correspondant utilisateur et on intervient sur tout ce qui est panne informatique et on aide les utilisateurs à résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible, qu'ils puissent, eux, de leur côté aussi, travailler. Donc, oui, après, la formation m'a beaucoup aidé parce que je ne connaissais pas spécialement beaucoup de choses en informatique. Et grâce à cette formation-là, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à être autonome et à me débrouiller tout seul. Mais c'est du distanciel, alors ? C'est comme oui. ça ? Hein ? Oui, voilà, okay. c'est du distanciel. En fait, on la main. Voilà, on prend la main à distance sur les ordinateurs des gens et on leur résout leurs problèmes ou on les accompagne pour que voilà, résoudre leurs problèmes. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup, Montluçon. Ici les Landes, on reprend le relais. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu, Madame la Ministre, je vais vous faire une confidence. Il n'y a personne qui nous écoute à part 102 participants. Peut-être que Sébastien Reynaud prendra ma succession un jour. Peut-être, peut-être. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il va falloir que tu sortes de cet habitat, mon cher Sébastien. Ce n'est pas très confortable. En tout cas, on te voit bien. Alors, Madame la Ministre, vous avez avec Madame la Ministre déléguée de l'insertion et Madame la Ministre du Travail mis en œuvre… ce qu'on a appelé des mesures exceptionnelles, le plan de soutien aux entreprises adaptées qui étaient sinistrées pendant la période, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Et grâce à l'ensemble de ces dispositifs, on va s'engager, l'Union nationale des entreprises adaptées auprès des entreprises adaptées, justement, de nos adhérents, 190,
pour porter un grand projet de 10 000 mises à l'emploi. Et on va le faire. Et on va le faire notamment grâce à votre soutien, grâce aux 100 millions d'euros de ce plan de soutien que vous avez mis en œuvre, où on a déposé des grands projets structurants et que derrière, on puisse embaucher massivement, et notamment des CDD tremplin. Et il y a un des consortiums qui est particulièrement efficient, qui concerne le numérique. Et dans le numérique, il faut absolument former massivement et de manière très importante des personnes qui vont venir travailler sur des sujets numériques de très haut niveau, comme l'a montré d'ailleurs Sébastien, et c'est très bien, dans les sujets informatiques. Sébastien le fait très bien, on va modéliser ce que fait Sébastien Reynaud à Montluçon, et ainsi que Baptiste, et que vraiment je tiens à féliciter. Bravo Baptiste, parce que ça nous permet de dire que c'est possible, on va le faire. Et donc aujourd'hui, on va s'associer à un grand partenaire, ce que je nomme parfois un facteur clé inclusif. S'il y avait Charles Gardou, il me dirait que j'exagère un peu, mais je le crois. Avec Didier Sartier, qui est délégué général de la GFIP, avec qui on a un partenariat, et on va essayer de flexibiliser le PICEA pour former massivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on projette, justement, comme l'a dit Sébastien Reynaud, d'embaucher en amont un maximum de personnes, commencer leur formation par le biais du PICEA pour accompagner justement la montée en charge et quand les marchés liés à la relocalisation d'activités numériques vont venir dans les entreprises adaptées, nous serons prêts pour y répondre massivement. Didier, peut-être que tu pourrais intervenir sur le PICEA, le plan d'investissement. Oui, bonjour à nouveau, bonjour Madame la Ministre. Les entreprises adaptées. Absolument. Bonjour Madame la Ministre, à nouveau. Le PICEA, donc, vous savez, hein, c'est cet instrument de financement de formation pour l'ensemble des entreprises adaptées qui sont engagées dans les CD tremplin ou les EATT, les entreprises adaptées de travail temporaire, et qui peut être mobilisé pour quasiment toute forme de formation, hein, savoir de base, remise à niveau, compétences de base, préqualification, qualification, même préparation à la sortie vers l'entreprise finale et aussi, et ça c'est très important à dire, sur tout ce qui est ingénierie de parcours, ingénierie pédagogique, donc construire des parcours, construire des formations, tant en interne qu'en externe. C'est mobilisable, il est peu connu encore ce PICEA, sa montée en charge a coïncidé avec le premier confinement, ce qui n'a pas aidé à le faire connaître auprès des entreprises adaptées. Et pour les petites, c'est aussi les petites entreprises adaptées, les plus petites, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement, même si c'est dématérialisé avec des réponses très rapides, comprendre ce qui est finançable, ce n'est pas simple. Donc, il faut qu'on appuie et il faut qu'on soit aussi en capacité. Aujourd'hui, on y réfléchit avec Cyril Guesso, l'INEA, de pouvoir proposer de l'ingénierie pédagogique clé en main, des savoir-faire d'ingénierie pédagogique clé en main. Et puis, pour reprendre ce que vient d'évoquer Cyril, à travers la mise en place des consortiums, qui peut être un formidable outil de parcours, hein, pour les personnes et pour les entreprises, d'accompagner les entreprises inclusives, c'est de pouvoir développer des programmes de formation prédéfinis, adaptables à chacune des personnes, et développer finalement à grande échelle des parcours de formation en mobilisant le PICEA et en mobilisant, je dirais, comme on a pu le voir ce matin avec une entreprise de Mitis, l'appui de la GFIP, finalement, à appuyer ces consortiums directement à finalement construire les parcours en utilisant le PICEA, voire d'autres sources de formation, et qui doivent permettre finalement d'organiser des centaines de formations d'un coup et rassurer tant l'entreprise adaptée qui s'engage dans ces magnifiques consortiums que l'entreprise qui est associée à l'entreprise adaptée pour finalement assurer la montée en compétences. Puis pour reprendre ce qui a été dit par Sébastien Reynaud, on pourrait renommer le PICEA en PAC, Programme de l'appétence aux compétences, quoi, en quelque sorte, et qui est exactement ce que l'on cherche à faire. Alors, soyons concrets. Qu'est-ce que ça veut dire faire un kit de formation? Concrètement, elles vont se former où, quand et comment, ces personnes qui pourraient être bénéficiaires? Parce que moi, je suis pragmatique. Donc, quand on me dit on veut déployer 10 000 formations, concrètement, ça consiste en quoi? Sur quel métier précisément? Et faites par qui ces formations? Alors, justement, c'est les questions pertinentes, c'est les bonnes questions. Et on n'a pas communiqué ensemble. Hein. Donc,
En fait, l'intérêt, et c'est tout l'intérêt majeur du CDD Tremplin dans l'informatique, c'est que nous allons associer les principales ESN, entreprises de services numériques. Alors, je vais en nommer quelques-unes, pas toutes malheureusement, mais quelques-unes. Il faut m'excuser pour les autres. Soprasteria, Capgemini, Accenture, Infosys, CGI et tant d'autres que j'oublie. SCC, pardon. Pardon Sébastien Reynaud. Et donc, avec elles, on va concevoir un parcours, justement, qui va être en lien avec à la fois leurs besoins et nos besoins. Ça veut dire que à la fois les entreprises, les grands faiseurs du numérique français qui ont besoin de ressources, parce que Accenture, dans son étude sur justement les actions de relocalisation, a identifié un gisement de 23 000 emplois potentiels, pas en deux ans, hein, sur cinq ans. J'avais vu l'étude que c'est Thibault qui avait voilà. Participé à la... Ça, je l'ai lu, l'étude. Voilà. Mais donc, comment toujours pareil, hein, donc ce soir à 18h30, il y a la validation de ce fameux consortium. Et donc, suivant la validation, donc nous allons enchaîner. L'Union nationale des entreprises adaptées va aller vers les entreprises adaptées qui font partie du consortium. Elles sont au nombre de 66 aujourd'hui. Nous allons les accompagner avec ce plan de formation et l'ensemble des entreprises de services numériques pour les préparer à monter en charge dans ces prestations numériques. Et donc, nous allons les accompagner à disposer de l'agrément CDD Tremplin pour celles qui ne l'ont pas encore, et pouvoir les accompagner à recruter des personnes rapidement, pouvoir les former et répondre aux exigences du marché qui arriveront plus tard. Donc, ce sont des métiers sur les supports informatiques, un peu ce que fait Baptiste d'ailleurs. Je pense que c'est du support, que ça soit email, que ça soit téléphonique ou autre support média d'échange. Il y aura aussi un petit peu d'anglais à apprendre parce que nos premiers clients risquent d'être dans une dimension, un environnement international. Nous avons comme sponsor un grand nom de l'aéronautique européen. Et donc, avec eux, on va travailler ensemble, donc avec les ESN, les entreprises adaptées et ces grands sponsors, qui ont, pour certains d'entre eux d'ailleurs, signé le manifeste de l'inclusion dont vous faisiez mention tout à l'heure, pour créer des grands marchés à forte capacité. Aujourd'hui, les entreprises adaptées de ce consortium, les 66, représentent déjà plus de 1000 salariés dans l'informatique. Dans les entreprises adaptées que vous ciblez, il y a la compétence de formation ? Pas toutes. On va les accompagner. Certaines l'ont. C'est le cas notamment, Sébastien Reynaud avait recyclé, c'est le cas de FMS. Et donc, progressivement, elles vont mettre en œuvre justement ces potentialités d'organismes de formation pour co-créer avec les ESN les parcours de formation qui seront utiles pour les salariés, parce que les salariés répondront au marché et pour certains d'entre eux seront recrutés ensuite par les ESN. Concrètement, l'argent pour la formation, elle va payer quoi exactement ? Elle va payer le coût pédagogique, la formation des salariés sur des technologies. Vous les recrutez en CDD Tremplin, voilà. Vous les formez avec l'appui du PICEA termes monétaires, pour vraiment généraliser une formation à destination du consortium numérique. Exactement, et l'objectif, c'est de former 3 000 personnes en situation de handicap d'ici fin 2022. Vous n'avez pas dit 10 000 ? Il y a aussi l'automobile. Il y a 5 000 dans l'automobile et 2 000 dans la confection textile. Mais dans le numérique, c'est 3 000. Non, l'enjeu du numérique, il faut être raisonnable, même si parfois on dit que je ne suis pas trop raisonnable. Je suis même habité un peu par de la folie. Mais là, quand même, faire au-delà de 3 000... En partant de pas de compétences, hein. C'est-à-dire on va partir de zéro. Hein. Donc votre module de formation, votre session de formation, elle sera qualifiante, elle sera certifiante, elle sera quoi ? Oui, elle sera qualifiante. Elle va qualifier la personne sur des postes donnés, notamment majoritairement du support. Il y a aussi du développement, il y a plusieurs niveaux. Hein. En fait, il y a du support niveau 1, support niveau 2, support niveau 3. Et également du développement, notamment sur des anciens langages applicatifs comme du COBOL. Il y aura aussi des langages spécifiques, Safran, 3DX, pour tout ce qui relève du PLM. Bon, c'est des technologies, mais qui sont importantes. Et on ne retrouve pas, si vous voulez, Madame la Ministre, ces cours dans les cursus classiques. Et c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que si on veut être prêt de suite à répondre au marché immédiatement,
Il faut absolument qu'on maîtrise ces technologies comme 3DX, comme le COBOL, etc. Et c'est des langages et c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les formations du marché. C'est pourquoi aussi, avec Recycléa, on met en place donc, le CFA d'entreprise adaptée qu'on va modéliser pour le disséminer à toutes les entreprises adaptées. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de partager ces connaissances en matière d'apprentissage à la fois auprès des entreprises adaptées, mais aussi des entreprises classiques. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'apprentissage dans les entreprises. Pourquoi vous créez un CFA ? Pourquoi vous ne travaillez pas avec les CFA existants ? Parce qu'il s'avère que il y a des endroits où il n'y a pas de CFA, des lieux qui sont adaptés au numérique. Par exemple, je vais prendre le cas de FMS, bon, que je connais bien. Nous sommes dans les Landes et nous n'avons pas de CFA dans le numérique dans les Landes. Or, il y a une problématique de mobilité par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc, le plus facile, c'est qu'on lance le CFA, mais on va le lancer en partenariat avec des organismes existants. On ne va pas le faire tout seul que pour nous. Hein. On va le faire avec d'autres entreprises. Et je trouve ça très intéressant. Et ça peut être des CFA, d'ailleurs, éphémères. Hein. On va faire ces CFA-là pendant 4, 5 ans, 6 ans pour les besoins de l'entreprise et des entreprises périphériques. Dans les Landes, on a aussi des grands fleurons de l'e-commerce comme Zoomalia qui a besoin aussi de recruter des personnes qualifiées en informatique. Et donc, c'est l'occasion de s'associer avec nous et de prendre des apprentis en situation de handicap. Est-ce que vous connaissez mon mantra, Cyril, c'est de faire monter le droit commun sur l'expertise justement des personnes, oui, en situation de handicap et de faire vraiment une politique qui soit de droit commun avec autant d'expertise que de besoins. Votre CFA, il faut qu'il soit ouvert aussi aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap sur ces, oui, métiers. Oui. Il faut qu'on soit inclusif jusqu'au bout, hein, dans les, exactement, deux sens. Exactement, dans toute la diversité. Oui, ouais. Donc il faut vraiment que faire évoluer peut-être aussi, travailler, je vous en prie, auprès des CFA existants pour les faire évoluer peut-être sur des branches professionnelles nouvelles, quoi qu'on puisse s'appuyer aussi sur cette dynamique, hein, de formation des CFA dits de droit commun qui ne sont pas encore assez inclusifs, qu'on essaie de faire monter en qualification justement pour être plus inclusif. Et là, il faudrait qu'ils puissent bénéficier de votre expertise sur les adaptations, notamment. Exactement, exactement. Mais là où ils existent déjà, c'est des coopérations que l'on fera avec les CFA existants. Hein. Comme on a déjà fait d'ailleurs par le passé, vous étiez venu d'ailleurs dans les Landes signer un protocole d'accord, mmh, sur les sections d'apprentissage adultes handicapés qu'on avait mis en œuvre avec Enedis à l'époque et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et ça avait fonctionné pour 8. On avait vu, si vous voulez, les difficultés que l'on avait en termes de mobilité pour, ouais, les apprentis en situation de handicap, surtout dans nos territoires un peu ruraux. C'est là où c'est un petit peu complexe à gérer. C'est très enthousiasmant, tous ces projets. Non, ben, on les porte notamment grâce à, pour le coup, le CFA d'entreprise adaptée. Ça n'a été possible que parce qu'il y avait des projets, des mesures exceptionnelles du gouvernement sur le plan de relance. Je tenais à vous remercier, Madame la ministre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me témoigner de bonnes nouvelles comme ça ? Parce que c'est une heure de bonnes nouvelles, donc ça fait du bien comme ça, sur des projets aussi enthousiasmants et aussi créatifs. Il y a des projets ? Ou peut-être vos collaborateurs derrière vous, Cyril, si vous, ouais, avez... Oui, Sylvia, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Tu as l'idée de créer des choses et que FMS va aider Sylvia à créer sa propre marque de vêtements. Elle va devenir entrepreneur maintenant, Sylvia. Voilà, j'ai déjà développé une gamme d'accessoires. Et là, je réfléchis beaucoup à comment faire pour pouvoir le faire ici chez FMS. Elle va nous sous-traiter. C'est exceptionnel. Voilà. Parce que je vais travailler les collègues et les dirigeants. Très bien. Bah, écoutez, un grand merci. Il faut que je voie Caroline qui me fait des grands signes. Il faut que j'aille retrouver d'autres sujets. Vraiment, merci parce que sincèrement, c'est enthousiasmant, cette créativité que vous avez, cette innovation, ces créations de postes en pleine crise sanitaire et économique. Je pense que c'est à souligner. Vraiment, parce que c'est cette résilience qu'a l'entreprise adaptée et ses partenaires, parce qu'on a bien vu que c'est aussi une vraie réussite de partenariat avec Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi avec cette filière surf des Landes.
pays que je connais bien. Hein. Moi, je connais surtout Souston, on en avait beaucoup parlé, mais je connais très bien Peyrorade et Tyros. Et donc, je trouve que c'est formidable parce que c'est un milieu, en effet, rural, différent et qui permet justement d'avoir une réponse de proximité pour les personnes. Donc, en tout cas, sur sur FMS, toutes mes félicitations. Et puis, surtout, sur vos projets de certification, de pouvoir aller vers les filières qui embauchent le numérique. Pensez aussi peut-être avoir avec ce consortium numérique de travailler avec l'accessibilité universelle des sites qui sont en train de construire. Allez-y aussi dans l'aiguillon, dans le manifeste inclusion, c'est un des engagements, hein, l'accessibilité numérique en RG2A de tous les sites. On voit bien que les webmasters ne sont pas formés, on est toujours en rattrapage et pas en création initiale. Donc soyez mon petit aiguillon pour pouvoir travailler et leur dire que c'est hyper important d'être vraiment sur cela. En tout cas, il faut absolument qu'on vous simplifie la vie pour l'habilitation de CDD tremplin. Ça, comptez sur moi. On va y travailler vraiment activement puisqu'il y a un tel développement et un tel potentiel qu'il faut vraiment le faire. Et puis, il faut vraiment qu'on informe les grands groupes qui sont potentiellement des employeurs. Et je pense notamment au groupe Navals qui a signé ce matin hein, le manifeste inclusion, qui a une énorme capacité d'embauche sur des sujets, peut-être des domaines qui pourraient fortement vous intéresser. Voilà, donc on voit bien, en tout cas, ça avance. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Et puis, je vous souhaite une belle réussite à chacun, à tout un chacun sur vos projets. En tout cas, merci de cette heure tellement constructive et enthousiasmante. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bientôt. Au revoir.